Bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc, je vous prie d'excuser donc ma voix parce que je suis un peu enrhumée. Donc, au mois de septembre, c'est toujours donc avec les différences de température, j'attrape toujours un petit rhume. Donc, vous aurez un peu ma voix cassée et je m'en excuse. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer un ensemble scrappé que je vais envoyer pour un concours, celui de Béadi. Vous savez qu'il y a énormément de concours sur les chaînes qui se terminent fin septembre. J'ai participé à quelques-uns que je vais m'empresser d'envoyer parce que je suis toujours très très à la bourre pour envoyer mes participations. Faute de temps, j'ai toujours du mal à faire tout ce que j'ai, tout ce que je veux. Alors voilà, pour le concours de Béadi, j'ai voulu lui scraper ce petit vélo que j'avais trouvé chez Action. Je le trouvais assez sympa. Et en fait, je m'étais dit, avec des petits ornements, des fleurs, ça aurait été assez sympa à faire. Donc je me suis exécutée. Et puis voici, j'ai mis sur les roues des fleurs. Ici, un embellissement papillon que j'ai fait avec la pâte de chez Action. Donc, maintenant, je fais mes embellissements plâtre. J'essaie de les faire. Hein. Pas toujours facile, mais bon. Voilà, là, j'ai mis du glimmer rose pailleté dessus. J'ai rajouté donc des fleurs, une rose en papier. Là encore une fois, un embellissement que j'ai fait, papillon. Une rose ici, un petit pompon de chez Action. Derrière, j'ai rajouté encore des petites fleurs. Voilà. Pour ce petit vélo, je trouvais assez sympa. Dans les mêmes coloris, donc dans le blanc, le rose et le vert, j'ai fait un ensemble. Donc ici, la petite carte. La petite carte sur laquelle j'ai repris. Donc assez simple, très facile à faire. J'ai simplement mis des fleurs, un petit cœur, un petit bouton. Ici en dessous un papier vélium et puis une dentelle papier, une petite dentelle papier. Voilà pour ma carte. Ensuite j'ai fait un tag. Alors là, voilà. Donc un tag sur lequel donc j'avais utilisé un simple papier sur lequel j'ai mis de la peinture gesso que j'avais travaillé avec des pochoirs. J'ai mis un peu de des tampons. Et puis bon, j'ai mis des fleurs, de la dentelle, des perles. Encore une fois, mon papillon. Donc j'en ai mis deux. Donc voilà pour mon tag. J'ai la sortie, j'ai fait mon ATC. Voilà, j'ai repris la peinture gesso, un peu deux encres, un peu le même modèle. J'ai rajouté ici du tissu organza que j'ai aimé bien. Je pense qu'elle aimera bien aussi, Béatrice. Ici avec quelques morceaux de dentelle qu'elle peut découper. Pour en faire des embellissements. J'ai mis un petit sachet avec des frappidules. Là, je lui ai fait une fleur. Donc, avec ici une fleur
fleurs en laine que j'ai fait. Donc c'était un appareil, c'est un appareil exprès pour faire les fleurs. Ici, j'ai fait avec de la cordelette. Et puis que j'ai mis avec un embellissement, donc une fleur que l'on trouve chez Action. Aussi, j'ai changé simplement le cœur de la fleur. Voilà, donc ici pour la fleur, j'ai mis quelques rosaces et puis des découpes. Je lui ai fait également ma carte avec tous mes renseignements. Voilà, donc mon pseudo c'est CLV, Création CLV. Donc à chaque fois on croit que c'est un O, mais non, c'est un V. Voilà. Donc voilà ma petite carte avec tout ce que j'aime bien. Donc voilà, voilà pour ma participation au concours de Béadi. Lorsque vous verrez cette vidéo, je pense qu'elle l'aura reçue donc cette semaine. Bon, bah voilà, j'espère que donc ça va lui plaire et puis que ça vous aura plu aussi. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous!